Auf Komfort legte Alberto Giacometti keinen Wert. Karge 23 Quadratmeter, kleine Pritsche, Wasserhahn und Toilette im Hof waren ihm 40 Jahre lang gut genug. Quand il s'installe en 1926, c'est un très jeune artiste qui du coup loue un atelier à la mesure de ses moyens. Mais quand en 65, il est cet artiste qui a des rétrospectives dans le monde entier, finalement Giacometti est toujours en train de travailler dans le même atelier. Il a le sentiment qu'il ne peut produire son œuvre que si il reste dans cet espace très rudimentaire. Giacomettis neue alte Welt eröffnet sich in einem sorgfältig restaurierten Art Deco Stadtpalais. Kein eigentliches Museum, sondern ein Institut, das Raum bietet für Kunstgeschichtsstudien, Seminare, für Ausstellungen aus dem Fundus von Giacomettis Witwe Annette. Den Auftakt macht des Bildhauers enge Freundschaft mit dem kahlköpfigen Autor Jean Genet, der eine Hommage an Giacometti verfasst hat. Dans son texte, il décrit l'œuvre, mais il décrit aussi toute la grandeur de cet homme qui est capable de capter et de retrouver l'âme des gens qu'il a face de lui. Les personnages de Giacometti, comme les personnages de Genet et de ses pièces de théâtre, c'est des personnages qui sont profondément seuls à la base. Donc c'est un thème qui est cher aux deux, comme cher aussi le thème de la mort. Fragile Gipsmodelle wie die Femme de Venise, die Giacometti 1956 für die Biennale von Venedig geschaffen hat. Schattenhafte Plastiken von Prostituierten, von Philosoph Jean-Paul Sartre einst als Figuren zwischen Sein und dem Nichts gerühmt. Im Institut Giacometti erhalten sie den nötigen Raum. C'est un lieu qui accueille un public restreint, donc peu de visiteurs, proche des œuvres et où se crée cette relation très intime entre le visiteur, entre le public et l'œuvre de Giacometti. Alberto Giacometti ist zurück in seinem Pariser Atelier, ein Raum untrennbar verwoben mit der Künstlerlegende.